Yup, 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 mes loulous, c'est Tonton Tomic et on se replonge, pardon, dans l'ambiance de Rainmatter, qui est toujours aussi beau à chaque fois que je mets le casque, c'est juste ouf. Allez, c'est parti. Alors, accéder au laboratoire quantique. Assistant pour l'équipage de la base. Cet œil semble être en train d'enregistrer, comme d'hab. Ok. Je peux rien faire. Il y a des trucs à déverrouiller. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Et autres. C'est l'air tout rouge, hein. Ah oui, à cause de la substance rouge, mais je fais même pas gaffe. C'est vrai que c'est space, hein. Ok, attends, attends, on fouille un petit peu quand même. Parce que là, on a une porte, là, on a d'autres trucs à déverrouiller, là. Ça marche aussi. Yes. On va fouiller un petit peu quand même. Wow, délire. Nanana. Ok, là il n'y a pas grand chose. Ah, par contre, ça semble être intéressant, non? Ouais, on me gratte le pif. Alors. Oh, ouais, ça on va se le garder, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Ah si, un truc à scanner. Une cassette vidéo. Où est-ce qu'on peut mettre ça? Là-dedans? Ce serait... Hop, hop, hop. Excusez-moi. Non, 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 non. Reviens, reviens. Ah. Juste pour ça. Pourquoi pas. Une petite toupie, c'est trop mignon. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On se le demande. Un truc à scanner. Liste d'unités de données en cours. Livre de l'habitat, unité de données chargée dans la mémoire. Livre de l'habitat, ok. Ok. Voilà, les peinards, il n'y a plus d'énigmes. Pour le moment. J'avais même pas vu le plafond. Je suis ouf. Waouh. Ils ont mis le paquet sur les décors, hein, je vous le dis. Ah, refusé. Là, on a un code. À trouver. Attends, on va aller à l'autre porte déjà. On peut grimper. Il n'y a rien d'intéressant, bon, ça n'a pas l'air. Est-ce que ça... je dois le rouvrir? Faites chier. Par contre, je sais pas si ça va me servir, ça. Quoique. Ouais, pour l'instant, on va le laisser là. Ok, encore un jeu d'échecs. C'est vrai que les Russes, ils aiment bien les échecs. Toujours vérifier en dessous. Il y a des dés. On peut jouer avec les dés. Ouais. Combien, 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 combien? Un. Bon. Je suis vraiment pas heureux en jeu, moi. Wow! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une cassette vidéo encore. Ok. Irina faisant cadeau d'une plante. Pas d'infos.
Ok. Du coup, les cassettes, bah, on va aller se la mater aussi. Est-ce qu'il y aurait aussi un lecteur ici? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Je regarde un peu partout. Et du coup, est-ce que je peux toucher à ça ou pas? Ah, faut trouver une pièce. J'en avais une de pièces, il fut un temps. Mais je ne l'ai plus. Bon, ok. Là, ici, il n'y a rien. Une photo d'Irina Estave. Il sourise. C'est bien de souriser. Une photo du chien de Star en vol gravi. D'accord. Photo de son petit toutou. Oh, il est mignon avec une petite fleur et un cœur. Bon. Eh ben, on va continuer. On va aller déjà mater la vidéo. Oh putain, pourquoi je rame comme ça? Alors, ben, je sais plus si c'était la porte de gauche ou de droite. J'ai un gros doute. Non, c'était la porte de gauche, il me semble. C'est bien cela. Ah, faut enlever l'autre. Rapinou. Voilà, hop. Tic. Oh, le délire. C'est de la télé 3D. Ouf. Bon, on a déverrouillé un succès. Je m'en doutais que c'était juste pour ça, mais c'était fun. Donc on peut essayer d'aller au fond. Je vois plus que ça de toute façon. Non, ça j'en viens de celle-là. C'est en face. Ah. Attends, on va faire une petite téléporte pour le trip. Salut, je fais que passer. Surtout qu'en plus, si vous voulez me donner encore une fiche de renseignement, ça va aller. Oh là, il y a du rouge. Ça va me bloquer, ça, non? Ah, quelle merde. These doors are blocked by that unidentified red Eh ouais. substance. You'll have to find another way inside. Ok. Je m'en doutais. Zut, flotte, tu es crotte de bique. Est-ce que ça, on peut le bouger? Non, on peut pas, ça bouge pas, ça se déplace pas du tout. On va aller voir quand même les robots, histoire d'être sûr d'avoir tout fait. On va lire la carte, enfin, on va l'analyser. Voyons voir ce que tu me donnes. Bienvenue à nouveau dans les pièces de l'équipage, camarade. Merci. Du coup, on peut plus revenir en arrière. Du coup, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je peux foutre? Parce que là, dès qu'il y a des trucs rouges, c'est mort. On peut plus avancer. Ça, on est d'accord avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Je peux pas analyser de toute façon. Pas d'information. Ok. Alors, si on analyse. Ah ah, on peut analyser ça. Une sculpture abstraite, une décoration bizarre pour une base sur une lune. Ouais, bon, bah oui. Je confirme, c'est très bizarre. Mais tout est très bizarre, c'est ça qui est bizarre. Hein? Vous avez dit bizarre? Du coup, j'aurais pas décodé à tout hasard le truc là. Pour ouvrir la porte, veuillez utiliser votre accréditation sur le scanner ci-dessous. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ça doit être dans une des deux pièces, c'est obligatoire. Moi j'avais dit qu'il n'y avait plus une énigme, mais si finalement, hein. Ok. Une horloge.
D'accord, s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un étrange tableau abstrait. Ah! Voilà qui est intéressant. Ouh, ça marche. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok, il n'y a pas trop de logique. Oh, ça marche, non? Attends. Ça risque d'être complexe hein, si je m'amuse à ça. Ouais, la vidéo de la toupie, ça me donnait pas d'infos. Hein. Je pense pas. Attends, on va vérifier quand même. Oh, s'il te plaît. C'est bien la même, c'est qu'elle m'a dû juste retomber dessus. Pas dans ce sens-là? C'est comme ça. Ouais, y a rien qui s'affiche, je vois rien. Well. Est-ce que la petite statuette, il y aura des infos dessus? Peut-être ça. Est-ce que je l'ai... Est-ce que je l'ai posé pour le coup? Bien sûr, c'est de l'autre côté, moi je le vois. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a les mêmes sigles, mais je vois pas le rapport pour le moment. Ah, oh, si, il faut suivre un chemin, il y a un chemin. D'accord! Attends, attends. Et on arrive au bout. C'est strange. Je sais pas. Je me fais peut-être un trip, hein. Un presse-papier. C'est juste un presse-papier. Je me prends la tête pour rien. Non, bah, je vais essayer de tâtonner, hein. Je vois que ça. Hein. J'ai raté un... Attends. Je vais retourner dans la pièce. Ça, par contre, c'est chiant qu'on doit rouvrir à chaque fois. Ça fait sa petite ambiance, mais... Pas de... d'image de truc, attends. Ah par contre quand j'enlève ça tombe, ok. Du coup ma main elle est plus lourde, ça c'est fun qu'ils aient pensé à ça. L'effet de poids il est génial. Roll. Bam. Bam. Vous avez vu sur le mur, il y a aussi une trace de sang, encore une fois. Bim. Tuk 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 tuk. Un petit coup de lumière. Et bam! Si j'avais su avant qu'on pouvait appuyer sur la gâchette pour avoir plus de lumière, je l'aurais fait depuis très longtemps. Mais bon,
Et là, je vois pas le rapport avec le jeu d'échecs, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il n'y a rien, donc, du coup, ici, hein. Non, bah, je crois qu'il va falloir que je tapote un petit peu sur toutes les touches pour essayer de trouver la bonne combinaison. Je vais essayer de trouver une logique. Je vais essayer de trouver une logique. Bon, c'est reparti. À moins que ce soit noté là-dessus, je ne sais pas. Si, je pourrais analyser, tiens. Il veut rien savoir. Il n'y a rien dedans! J'étais ce mec-là, où est-ce que j'aurais planqué le truc? Sous la chaise, peut-être. T'es trop marrant de manipuler les objets comme ça. Ils sont juste énormes. Non. Non. Voilà. Posé. Ok. Donc c'est pas là. Il y avait quoi sur ce truc-là? C'était le livre de l'habitat, c'est vrai. Ouais, là. On va refoutre le bordel. Son oreiller peut-être. Ah. Bon. Courage, on y va. J'y vais, mais j'ai pas envie. Voyons voir un peu les sigles. Il y a un peu tout et rien. Il y a un peu tout et rien. On va faire ça même à deux mains, tu vois. Allez. Donc on avait vu que ça a marché. Je ferais bien de le faire comme ça, ouais. Bah j'ai tout fait, bordel. Ça n'a pas fait le bruit. Voilà, ça préfère. Ah! C'est juste l'horreur. On peut en faire deux, mais pas trois. C'est ça qui est ouf. Voilà. En fait, c'est pareil partout. Quoi ta putain de logique quoi? Je vais réfléchir, je vois pas. Je relâche un peu les gâchettes.
Réfléchis peu, mais bien, Jean-Pierre. Ça, faut trouver le point de départ, quoi. Mais où est-ce que c'est planqué, quoi? Au plafond, y a rien. Là, je peux rien faire. Ouais, y a pas de tiroir à ouvrir, non, rien, que dalle. De bordel. Qu'est-ce que j'ai raté dans l'histoire? Franchement, j'ai tout fouillé, hein. Je vois plus maintenant. Bordel. Il n'y a que ça dans le coin, quoi. Qu'est-ce que j'ai zappé? Oh. Ah, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Là, ils ont augmenté le level d'un coup, là. Monde de ouf. Où est-ce que je peux le trouver, ce putain de code? C'est les sigles. Attends, 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 attends. La statuette. Ok, j'ai compris. Mais c'est super chaud. Faut que je regarde comment la statuette est foutue, attends. On dirait bien que c'est comme ça. Ok, donc le début, ce serait où? Attends, que je le mette bien. Le début, ce serait ça. On peut imaginer. Ce truc-là. Et donc, dans la logique. Vous êtes des malades. Attends. D'accord. Donc le premier, c'est les deux traits horizontaux. D'accord. Ouais, 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 ouais. Le deuxième. Oh putain, c'est chiadé, hein. Deux traits horizontaux après deux crochets. Ok. Deux traits horizontaux, deux crochets. Après, on passe par là. Oh putain, putain, putain. Je vais m'y perdre. Non, allez. Ça, c'est le deuxième. Attends. Non. Je vais prendre du mauvais sens, là. Putain. Ce serait ça. Ok. Les deux crochets. Ensuite, on part.
Ce serait la fin? Il y aurait que trois trucs en fait. Ah non, non, l'arrivée elle est là. Enculé. Enculé. Oh attends, je suis parti de là, j'ai fait le tour. Ça pourrait très bien être comme ça aussi. Putain. Non mais c'est comme ça en plus. Oh, je suis paumé. C'est... Oh, le casse-tête de ouf. Et après c'est le dernier, putain. Après c'est le dernier. Ok, il est sur le long bâton. C'est un des deux, de toute façon. Ok. On va essayer ça. Du coup, je suis paumé, c'était où? C'était là ou de l'autre côté? J'ai un doute. Merde. Je crois que c'est là. De toute façon, on voit à moitié à travers. Ouais, c'était là. Ouais. Et donc le dernier, ça pouvait être lesquels? C'est pas ça. Et très parallèle, ça serait pas plutôt celui-là? Petit gay. Non, c'est pas ça. Non, je pense vraiment que c'était ça. Après le dernier, c'était un peu plus compliqué. C'est ça, j'ai trouvé. Yes! Je suis trop fort. Ah, ça fait du bien. Ok, le délire. What? Ouais, ouais. Et on dirait une trappe au bout là. Une cassette vidéo, encore? Ok, alors, je la prendrai après. Voilà, bon, regardez ce qu'il y a ici. Les caméras de surveillance, encore cette matière rouge bizarre là. Qui est-ce qu'on a? Non, attends. Sacha, je dois parler avec toi en rapport à la mort d'Irina. Je crois que tu es le seul en qui je peux faire confiance, Staff. Sacha, je suis sûr que cet enfoiré de Nicolas est responsable de la mort d'Irina. Et je m'en fous qu'il intercepte ce message. Staff. Ah, Staff, Staff. Biologie. Nicolas est mature à sécurité. Sacha, risque physique quantique. Stas Volkov, ingénierie. Olga Krayeva, communication. Très bien. Yup, là, coucou toi. Le roi rouge, unité de données chargée dans la mémoire. Base de données actualisée. Là, c'est le plan. On y connaît. Retirer le support vital de la mine provoquera la mort de vos travailleurs. Êtes-vous sûr de vouloir procéder? Oula. Tiens donc, il y aurait bien une poignée d'aide. Ouais, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, on y... Attends. Je peux pas.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, je peux pas les bouger. Punaise, pourquoi est-ce qu'il me propose de regarder là-dedans? Je peux pas passer ma tête? D'accord. Ça fait bizarre. Ok. Bon, bah, c'est sympa. Ouais, je suis dégoûté. Bon, bah, il y a la cassette vidéo. C'est toujours ça. Après, peut-être que le téléchargement des données, là... Ah, tiens, attends, je vais pas analyser ça. Ina avait envoyé un signal de secours au Cosmobureau pour prévenir au sujet du champignon rouge, ignorant ainsi aux ordres de garder le... Merde. C'est pas marrant si je peux pas tout lire. Alors tu vas me la faire correctement. Et attends, je peux peut-être ouvrir ça. Ah! Y aurait-il d'autres petites choses intéressantes? En dessous, je vois pas. Un pot en verre. Ok, super. Photo de Stas blessé par un coup de feu. Youps. Une photo d'Irena évanouie sur sa table de travail. Mais c'est un artiste. Bon, ben, du coup, c'est cool d'avoir ouvert ça. Hein. Je suis très content. On va voir la cassette, allez. Content. Putain, j'ai même pas eu un succès, rien que dalle quoi. Gros, va te faire foutre. Eh mais attends, mais j'ai pas que ça comme récompense, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors attends, oui, c'est vrai que là, il y a l'ouverture là sur la gauche. Pourrait me faire dire qu'il y a quelque chose par là. Et pour y aller, faut ouvrir ça. On est d'accord. Est-ce que je peux maintenant? Ah, où ça? Bon. Je peux rien faire avec ce truc là. Étrange fleur luminescente. Est-ce que je peux la prendre? Oui. Elle devient vert au bout d'un certain temps, ok. C'est rigolo, mais ça ne sert à rien. Bordel! Ça y est, je suis parti à foutre là. Faut que le bordel, c'est parti. Allez, hop, on y va. Tant pis. On aurait cherché. Le truc avait pour être. Rien à péter. C'est pas un placard, ça? Non, y a pas de poignée, rien. Et pourquoi est-ce qu'ils nous font regarder ça, là? C'est juste pour nous faire baver. Vous êtes des enfoirés, je vous déteste. Attends, je peux pas analyser, remarque. Ah si, je peux. Hors de portée. Non! C'était ça le délire! Ah, bien vu, d'accord, mais oui, je suis bête.
suis bête. Parfait. Et hop, c'est craqué. Bon. Où allez, qu'est-ce qui se passe? Putain. Wow, je m'attendais pas à ça. Bon bah... que de la famille, ok. Le gars joue avec son fils, super. Le fils de gars avec une épée en plastique. Et je vais avoir un scar jump ou quoi là. Une photo déchirée, est-ce que je peux la... Je crois que ça va servir à rien, mais... C'était ça. Il lui offrait un joli collier. Ça avait l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? C'est un petit peu fâché. Analyse. Je sais que j'ai bien fait si Irina, mais maintenant elle est morte. Ah, je ne sais pas si cela est trop pour ma conscience. Bah, réfléchis. Premier pied concédé à Olga Krajeva par le comité régulateur des communications. Mention d'honneur pour Olga Krajeva en raison de ses services à la mère patrie Volna. Ah, ça a l'air d'être quelqu'un bien quand même. Ça s'est refermé. Et là, à droite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'ouvre? I got cut off for a moment. Not sure what's going on, but something down there is blocking the signal. Be careful, Epsilon. D'accord, oui, je vais faire attention. Okay, donnant un diplôme à Olga. Une photo de trophée. Ok. Trophée en argent encore. Et, là, et allez, encore un trophée. Et en bronze, en argent, en or, tout va bien. Un dessin d'enfant. Des dessins d'enfant. Bon, ben alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, 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 non. Combien il y en a? Toujours rêvé. Qu'est-ce que ça va être? Parce que vu ce que j'ai eu juste avant, là, j'ai peur de tout, là. J'ai peur de tout. Oh, observons l'endroit. Trouver un des signes, au moins un. Non, ça ne fait rien. Ça aurait pu, hein. C'était pas con. Il y avait d'idées. Ça marche pas non plus ici. Ok. Quand est-ce qu'il y a des trucs sur les photos là? Tellement impressionnant. Bah, je vois rien. Rien de planqué derrière les cadres. Que dalle. Que dalle. Prendre quand même les dessins. Et je vois pas d'indication dessus. Hein, quoique. Ben si, regardez-moi ça. C'est un peu à l'arrache, mais c'est ça. Ah ouais, mais alors attends, il y en a 4 là.
Tu me fais suer? Bon. On va trouver. Ce sera à l'envers. Ce sera dans l'autre sens. Comme dans un miroir. Non, mais de toute façon, le dernier il compte pas, je pense pas. Je pense que c'est juste ces trois-là, quoi. Donc le 7 est au milieu, d'accord. Le rond serait à gauche, et là ce serait le 9. Ça marche pas, donc ça fait peut-être l'inverse alors. Et 9 ici. Franchement, là, je peux pas me planter, là, le premier, là. On est d'accord. Par contre, c'est le deuxième, là, je sais pas trop. Ça pourrait correspondre à quoi? Parce que ce que ferait ces 7 à l'envers, la coquine. J'en sais rien, je tente ça. C'est vrai que ça peut être un 6 aussi, je suis un peu con, moi. Et oui. Attends, on va faire le 6. Attends. On va déjà faire le vrai 7. Ah bon, de l'autre côté. Un petit peu. Tac. Bon. Là, on est d'accord, ça marche pas. Le 6. Ah ouais, de toute façon, ça devrait s'éclairer. Pourquoi il y a 4 chiffres, quoi? C'est ça qui me gonfle. Il n'y a pas un autre dessin. Et franchement, je vois que ça. Si je les analyse, on sait jamais, peut-être qu'il me filera le code. Maman est dans les étoiles. Un dessin d'enfant. Quand je les prends, j'ai l'impression que ça fait une autre traduction, non? Non. Ok. Mama. Ouais. Ah, c'est pas un code. Mais non, mais c'est sûr que c'est ça le code, hein. Et pourquoi il y en a qu'un? Et à le deuxième, ça correspond à que dalle, quoi. Je vous jure, c'est comme si vraiment c'était à l'envers. Le dernier, je sais pas, c'est un bonhomme, c'est quoi?
Ah, de toute façon, tant que la lumière s'allume pas, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Que ce soit dans le bon sens, de toute façon, ça c'est clair. C'est quoi ce zigouigoui à la fin, quoi? Quoi correspond ce zigouigoui? Est-ce que je peux appeler ça qu'un zigouigoui, ce truc-là? Sérieusement? Ça correspond à aucun chiffre. Quatre, non. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ah, pourtant j'étais persuadé de mon coup là. Putain, puis pourquoi il a la tremblote comme ça? C'est ouf, ça aussi. Franchement, c'est ça qui devrait marcher, mais vraiment. Bon, ben je crois qu'il est arrivé le moment en fait où je vais faire une pause et puis que je vais tenter des combinaisons à l'arrache avec les trois trucs là. Je vais les essayer dans tous les sens et puis on verra si ça marche. Allez, à tout de suite.